Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane, W la Suprême Télévision, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans votre chaîne par excellence. Comme vous le remarquez, nous sommes à l'hémicycle, nous sommes à l'Assemblée nationale pour assister à l'élection du bureau définitif. Oui, pendant longtemps, pendant quelques temps, bureau d'âge, Moutezalaki Kokamba, ma plénière, selon cour constitutionnelle, mais au finish, il fallait qu'ils la conduisent dans le bureau définitif parce que Boyebi était gouvernement ainsi que Zalikobima, Sylvestre Ilunga Ilunga déjà a démissionné. Alors, il faut nouveau gouvernement et Bima et Singalipé, bureau définitif, ils ont installé en gros. Raison pour laquelle tous les lots dans le Parlement ont assisté, je crois que Boyebi est candidat Oyo Bazali na élection Oyo. Honorable Mboso, il est copé Azali président et à bureau d'âge, il est Azali candidat à la propre succession, donc Azali candidat unique, il y a Union Sacrée, Jean-Marc Kabound Akabound, il est Azali premier vice-président, Kester Bazali en tout cas, Azali élection, mais tous Azali qui ont assisté en tout cas, pour le cas où il y a eu le cas, il y a eu le cas, et il y a eu le cas, il y a eu le cas, et il y a eu l'élection, il y a eu le cas, et il y a eu le cas, et il y a eu le cas, et il y a eu le cas, tout juste après. Les témoins,
Je
Bonsoir. Bon, écoutez, je pense que c'est un grand travail qui a été abattu par les députés. On n'a pas commencé aujourd'hui, nous venons de très loin pour arriver à ceci. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est très bien de changer le bureau de l'Assemblée nationale. C'est très bien de faire tomber un ministre, un premier ministre, et bientôt avoir un nouveau gouvernement. Mais le peuple congolais doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. Et donc il faudrait qu'il y ait un travail qui sera fait et une équipe qui va désormais se pencher sur les vraies préoccupations de la population congolaise. Mais écoutez, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais on en a gagné aussi par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce que je préconise, je peux dire aujourd'hui comme conseil, c'est de dire nous devons très rapidement nous mettre au travail. Le chef de l'État l'a dit tout récemment dans son discours, et je pense que ça doit être notre cheval de bataille. Le temps n'est pas notre allié, et la population congolaise souffre. Et donc, aujourd'hui, changer le bureau, c'est bon. Mais la population à l'Est, est-ce que la paix, nous allons arriver à rétablir cette paix? Est-ce que le Congolais va être fier désormais d'appartenir à cette grande nation qui est la RDC? Et donc c'est ça, pour moi, la seule façon de réfléchir aujourd'hui pour que nous puissions être utiles, nous, en tant que politiques, et que le peuple congolais puisse être fier du travail que nous sommes en train d'abattre au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement. Honorable, s'il vous plaît, comment expliquez-vous ces phénomènes pour adhérer à l'Union sacrée? Ça s'est fait en titre individuel, mais pour procéder au niveau du bureau des politiques, cela doit avoir l'aval du parti. Bon, je ne suis ni initiateur de l'Union sacrée, ni porte-parole de l'Union sacrée pour répondre à cette question, malheureusement. Alors, la population était méfiante par rapport au poids des maires. Mais qu'est-ce que la population doit attendre de ce bureau? Parce que vous êtes bien aimé de la population. Mais écoutez, le peuple nous a choisis pour venir ici. Voilà, donc nous sommes ici pour nous représentons ce peuple-là. Et c'est ce que je venais de dire. Cela veut dire que le peuple a des préoccupations pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et donc si aujourd'hui, mais bien sûr, avec l'Union sacrée et le chef de l'État qui est déterminé et qui a une vision qui va dans le sens de soulager la souffrance du peuple congolais, moi j'en appelle à la conscience de tout le monde. Et il faudrait que désormais, je l'ai déjà dit dans une des chaînes ici à Kinshasa, il ne faudrait pas que demain, de la même manière que Kabila disait qu'il n'avait pas suffisamment de personnes autour de lui pour réaliser ce qu'il pensait réaliser, que demain, le président Félix Tshisekedi nous le dise. Et donc il faut choisir les bonnes personnes et il faut avoir autour de lui des personnes qui vont réellement l'aider à atteindre ses objectifs. Et pour moi, ces objectifs-là, c'est devrait être tout simplement rassurer la population et trouver des solutions à leurs préoccupations. Et si ces bureaux ne répondent pas aux attentes, vous allez encore passer. Le Parlement perd son sens du contrôle. Eh bien, sa raison d'être n'est plus là. Voyez-vous, vous pouvez vous imaginer un parlementaire qui est là, qui introduit les actions parlementaires au bureau, mais le bureau n'a jamais programmé ça. Et donc ici, ce bureau doit nous amener, ce doit amener le pays d'abord au bon sens des actions républicaines. C'est-à-dire que ce bureau doit collaborer, doit faciliter la collaboration entre l'institution parlement et l'institution président de la République. Parce que s'il n'y a pas une bonne collaboration entre les deux institutions, le pays sera bloqué. Et aujourd'hui, je crois que nous avons un sage à la tête de notre assemblée et je crois que ça va démarrer. Mais aussi le contrôle parlementaire va faciliter, n'est-ce pas, au peuple de comprendre pourquoi ils ont voté et va aussi pousser l'exécutif à bien faire le travail. Et donc voilà un peu, moi je crois que c'est maintenant le temps où le peuple peut espérer, sinon où le peuple peut encore compter sur ses élus et peut encore faire confiance au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui nous, les élus du peuple, nous avons donné au chef de l'État la majorité qu'il a voulu.
Nous lui avons donné la majorité. Nous en sommes très fiers parce que nous avons répondu aux attentes de la base. Et c'est la base qui a gagné. Voilà. L'impression que nous avons gagné, Tolongi Bitumba Oyo, peuple à Kouako Bundate Naseni. Bitumba Wana, Eza Loko la victoire à peuple, Babotolaka Naseni, Seni Abotole Ango, Akabi Ango na Batumusu. Mettant au peuple à Pessimiso, mandat, na pouvoir à Pessimiso. To saleli pouvoir Wana, tous ou majorité, Oyo Wana ya peuple. Tozongi sango et pas un mouton peuple aponi, pour moutouana à sala moussala na malam. En fait, et loko mokote kubungana mboka, soki d'abord, et si ka obiso ba élu du peuple tozali, ma mouetamboli malamote. Pote biso n'est tozan la responsabilité au sa mibeko. Biso pe tozan la responsabilité au contrôler ce mibeko tozali, bazako sale lango. Biso pe tozali ko contrôler, soki. Gouvernement, à ça vous savez, ça là au peuple à zozé là. Alors ceux qui biso, d'accord, on a biso ça malamouté. Tout ça, ça n'est. Voilà pourquoi tout ça qu'on l'obage. Peuple a tiré biso confiance. Car quand on a l'ukaki, tout ça les laïe, tout zongi sa majorité là, ma beaucoup on a peuple. Tout zongi ici, après ça biso peut confiance. Tout qu'on de la même ba ministre, tout l'an la bangwa la loupe. Pour que au bas au ministre, maïti en amoutou na bangoke, moi comme ça souma c'est qui exacte, souma c'est ma c'est qui, donc ça la bangoke n'est qu'à ton seul gouvernement et l'ukamba, donc l'issue l'icola l'issue, donc ça moussa na biso, parce que donc ça conscient que peuple a perçu son mission, et donc la grand les grands besoins donc ou la meilleure attente, donc on l'inga que vie à population est changée. Mais pour vivre la population est changée, il faut harmonie paysale entre le Parlement et le président de la République. Et le col harmonie est côté. Le col a tout comprendre au chef de l'État. Le chef de l'État peut aussi comprendre où il y a tout. Le peuple peut aussi comprendre où il y a tout. Comprendre où il y a tout. Il y a tout. Je crois que le peuple a fait sa confiance. Donc pour les équipes, le Banda Congo et Banda Mbala Liboso. Révolution et changement et bandel dans le Parlement. Donc je crois que il y a une victoire mon nene pour Nabisso parce que tout ça au peuple à Zaozela, tout ça. Sentiment de joie parce que je pense que la majorité telle que constituée et annoncée par l'informateur a tenu ses promesses dans la mesure où l'informateur avait estimé à 391 le nombre de députés de la majorité et nous avons aujourd'hui voté à environ 389 en faveur du président de l'Assemblée nationale. Ça montre que la majorité voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de tenir ses promesses et nous souhaitons que cela puisse continuer comme ça afin d'assurer le changement et la rupture avec le passé comme souhaité par le président de la République. Mais je pense que les attentes, c'est d'abord dans la vision prospective de la rupture avec le passé. Un passé, ce passé que le président de la République a décrié comme un passé de corruption, un passé de non-développement et un passé de blocage. Il faut qu'on se mette ensemble au travail et nous attendons du président Mbosso d'accélérer les réformes nécessaires pour encadrer le processus de développement dans lequel nous attendons. Donc pour nous, nous attendons vraiment de lui la rupture avec le passé et accompagner le chef de l'État et le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et la reconstruction du pays. Un conseil spécial, c'est lui demander d'essayer d'être vraiment l'église au milieu du village et de véritablement faire jouer la démocratie au sein de l'Assemblée nationale parce que c'est le lieu où les hommes politiques se rassemblent de toute tendance et chacun de la majorité ou de l'opposition a ses idées à donner pour aller de l'avant. Les cas que nous connaissons dans la partie est de notre pays, il faudrait qu'il y ait changement sur tous ces plans-là de la vie. Donc, une façon de changer les choses intégralement et que le peuple congolais puisse dire, en tout cas c'était alors important qu'il y ait changement au niveau du bureau de notre Assemblée nationale.
Bon, je pense que dans la vie, quand on est chef, c'est qu'on doit être au service des autres, comme dit bien la Bible. Donc il fallait, ce que je lui demanderais, c'est qu'il soit ouvert, qu'il soit sociable, qu'il soit attentif, qu'il soit à l'écoute de tout le monde, qu'il ne néglige personne, parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et s'il va négliger les démunis, je pense que ça va aussi revenir un jour contre lui. Donc il a intérêt à tout faire pour qu'il soit en cohésion, en harmonie avec toute l'équipe. Le président Félix est en train de mener sur
le masque de la situation politique. Vous savez déjà avec l'avènement de l'Union Sacrée, on est obligé de soutenir toutes les actions liées aux membres de l'Union Sacrée que nous sommes. Merci. Honorable Bolenye Tenge, vous avez été cité hier dans le discours, on va dire, programme de madame la candidate Kester. Ça veut dire que, ça, d'abord, est-ce que ça vous a flatté, le fait qu'elle vous cite comme modèle, vous et l'ancien Kester Bahati Lukwebo? Un petit peu flatté, oui, ça n'est pas exclu. Mais c'est la preuve que avoir été droit dans ce que nous avons eu à faire, avoir accompli notre devoir loyalement et à la satisfaction des membres de l'institution de l'époque et de leurs collaborateurs et des administratifs. On garde ce sentiment-là de devoir accompli, de devoir patriotique bien accompli lorsque d'autres voix expriment un compliment. Et par rapport au vote d'aujourd'hui, c'est une victoire écrasante, on va dire. Et nous attendons la fin de l'opération de dépouillement. Mais on peut déjà considérer que ce qui s'est fait dans ce pays depuis bientôt deux mois, c'est une véritable révolution pacifique. Et c'est ça le côté avantageux de cette révolution. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de violence. Les règles de la démocratie, les pratiques politiques amènent les Congolais à prendre conscience que l'intérêt de la population qui nous a envoyés dans cet hémicycle pour la représenter, à partir du moment où ces intérêts ne sont plus respectés, il vaut mieux changer le fusil d'épaule. C'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup.